Je vais aller très vite sur les premiers points, puisqu'ils recouvrent très largement un certain nombre de choses qui ont été déjà énoncées jusqu'à présent. Pour me concentrer sur la définition de la frontière réseau, la manière de l'appliquer aux politiques européennes de mobilité, et puis dénoncer un peu ce qu'on peut faire à partir de ce concept sur des études et des recherches dans les aéroports par rapport auxquelles je vous donnerai des hypothèses de travail plutôt que des résultats. Alors, juste pour rappel, mais on l'a déjà dit plus d'une fois, on est au-delà du modèle westphalien de l'État et donc également aussi de la frontière comme étant le conteneur d'un territoire et de cette conception, je dirais presque militaire, de la frontière. Néanmoins, je reviendrai là-dessus, il ne faut quand même pas oublier qu'il existe encore aujourd'hui un ensemble de récits politiques qui perçoivent la frontière comme une ligne de défense. Il suffit de penser à tous les murs qu'on essaye de construire partout. C'est toujours cet imaginaire-là qui est présent, même si, d'une certaine manière, on sait que cette conception de la frontière est révolue. Par ailleurs, on l'a déjà énoncé aussi, ceci renvoie à la question de la... du bouger, je dirais, entre les espaces des places, qui étaient celles aussi du capitalisme et de la globalisation du XIXe siècle, à celles des espaces de flux, tels que Castel les a énoncés. Et puis le dernier point qu'on n'a pas encore dit jusqu'à présent, qui me semble important aussi de rappeler, c'est qu'une des particularités de la dématérialisation des frontières, c'est celui de la distanciation du temps et de l'espace, puisque chacun d'entre nous le vit encore beaucoup plus fortement aujourd'hui que dans le passé. On peut être en contact de manière permanente avec quelqu'un qui est à plus de 10 000 km de là où on en est, qui a quand même fondamentalement changé, notamment avec la généralisation d'Internet et de tout ce que charrie aussi l'ensemble des softwares qui viennent d'Internet. Et donc cette différence-là de la distanciation entre l'espace et le temps a conduit aussi d'une certaine manière à revoir le concept de frontière. Dernier élément qu'il ne faut pas oublier, on l'a aussi cité ce matin, on a oublié un des acteurs, on parle de migration, je reviendrai là-dessus, vous allez voir, c'est surtout centré sur migration, mon propos. Il y a bien sûr la mobilité des chercheurs, dont nous sommes par ailleurs un exemple, mais il y a aussi aujourd'hui le flux le plus important de mobilité, c'est les touristes. Les touristes, qu'on oublie souvent, sont peut-être ceux qui aujourd'hui passent le plus les frontières et qui sont au cœur même des dispositifs de passage de frontières, et je pense que c'est important de les avoir en mémoire pour essayer de conceptualiser le concept de frontière. Alors je voudrais juste m'arrêter deux secondes parce que cet article de Albert et de Brooke a permis d'introduire trois termes qui sont difficiles d'introduire en français mais qui sont fondamentaux, qui sont de passer de l'idée de frontière, de borders, à celui de bordering, et en considérant qu'il y a deux étapes. Il y a la première étape qui est celle du débordering et celui de rebordering. Alors en deux mots, ça veut dire quoi? Fondamentalement, la globalisation tend à démontrer que donnant un ensemble d'activités, en particulier les activités économiques, dépassent l'activité de l'État et du territoire de l'État. Donc c'est le processus de débordering. Et puis il y a aussi une action de rebordering, c'est-à-dire que les États qui ne veulent pas complètement perdre le contrôle vont sortir de leur territoire pour contrôler des processus en dehors de leur propre territoire national. Et ces trois termes sont importants à avoir en tête pour comprendre le concept de frontière aujourd'hui. C'est lié à trois éléments, on les a cités, donc je ne vais pas m'arrêter longuement là-dessus. Celui de l'expansion économique, et en particulier de l'activité des entreprises multinationales. Le deuxième processus, c'est aussi celui, mais on l'a eu avec l'exposé initial de notre colloque, celui des organisations internationales, où il y a un ensemble d'institutions qui aujourd'hui font de la régulation au-delà de l'État-nation. Et le troisième, on l'a cité déjà plus d'une fois, c'est la dématérialisation de la frontière, notamment bien sûr avec un Internet, mais qui renvoie aussi d'une certaine manière à l'ensemble des activités techniques et de connaissances qui sont aussi celles qui sont dans notre quotidien. Alors, je voudrais juste rappeler trois, mais il y en a de nombreux autres, mais je pense qu'il faut les avoir en tête. Il y a trois interprétations qui ont été souvent développées par rapport à ces changements de la question de la frontière. La première, c'est celui qu'on appelle « the borderless world ». Je voudrais le rappeler parce que souvent on l'oublie. On croit que « no border », c'est une conception surtout progressive, de gauche, etc. Mais ceux qui le développent le plus, ce sont les économistes libéraux, dont deux sont vraiment très importants, c'est Omae et aussi Guénaud, qui est français, et qui disent en gros, d'une certaine manière, aujourd'hui, avec la mondialisation, on n'a plus besoin de l'État. Et d'ailleurs, on n'a même plus besoin non plus, d'une certaine manière, de la démocratie, puisque l'élément central de la mobilité, c'est le marché.
Je crois que c'est les premiers, notamment, à vraiment développer de manière très très forte, d'une certaine manière, cette idée de le monde sans frontières et donc l'absence de frontières, allant jusqu'à, encore une fois, aller à dire ben, peut-être nous n'avons plus besoin de l'État. Deuxième interprétation qu'on n'a pas citée non plus, mais qui est importante à avoir en tête, c'est le développement des communautés transnationales. Les communautés transnationales, ce sont ces communautés qui sont fondées habituellement, essentiellement sur une base culturelle d'appartenance. Elles ont souvent été étudiées par rapport à la question de la migration. Hein, donc c'est l'idée d'être, d'avoir une nationalité, mais d'avoir des contacts en permanence avec le pays d'origine. Ça a surtout été d'ailleurs développé aux États-Unis dans un premier temps. L'idée ici, c'est faciliter par les moyens de communication des personnes qui continuent à être en lien avec leur pays d'origine. Je donne juste un exemple qui est issu aussi des recherches qu'on avait fait, c'est des mères d'origine roumaine qui sont en Belgique et qui maintiennent un contact presque quotidien avec leurs enfants, en sachant à quelle heure ils ont été à l'école, qu'est-ce qu'ils ont mangé, à quelle heure ils rentrent, parce qu'encore une fois, la téléphonie portable permet d'avoir ce contact. Un autre exemple, c'était une famille équatorienne qui décidait une fois par semaine de manger ensemble, malgré le décalage horaire, par l'utilisation de Skype. C'est l'idée de maintenir des moments comme ça de coprésence, parce que ça l'autorise. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, parce que là aussi, on l'a cité, mais très vite, c'est qu'aujourd'hui, les communautés transnationales ne sont pas que liées aux migrants ou à la culture, mais c'est lié fondamentalement aux classes sociales, et en particulier aux classes upper class mondialisées, qui sont des communautés transnationales, qui sont des personnes qui vivent de par le monde, souvent dans le même milieu social, même si elles vivent dans des espaces différents, qui renvoient encore autre chose par rapport à ce qu'on disait ce matin, c'est-à-dire on peut rester dans le même milieu social tout en étant dans des lieux très différents, et qui est aussi une particularité, c'est que ces communautés transnationales-là, parce qu'elles ont, on l'a cité ce matin, plusieurs passeports, peuvent aussi décider de là où elles vont voter et de là où elles vont payer leurs taxes d'une certaine manière. Et je pense que c'est important parce que ça crée un nouvel ordre politique, d'une certaine manière, qui vient faire un challenge pour les États. Dernière interprétation, on l'a aussi présentée, Cédric l'a énoncé ce matin dans la présentation, c'est « securitization ». C'est une approche qui est beaucoup plus politologique, mais en même temps qui essaye de se distancier par rapport au territoire, même si elle retourne toujours à la question du territoire. Elle renvoie d'une certaine manière un peu à ce qu'on a eu comme présentation, à savoir que l'État aujourd'hui est face à des menaces. Le crime organisé, le terrorisme, le trafic, le smuggling, l'immigration irrégulière, etc., qui constituent des menaces pour la cohésion sociale des États ou pour l'identité, puisqu'il y a aussi cette dimension-là qui apparaît très fortement. C'est un discours, alors c'est important de le mettre aussi sous la dimension de récit politique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de politique effective, de politique publique effective de contrôle, mais je pense que c'est important aussi de voir qu'il y a une dimension narrative, symbolique et performative qui est très importante. Et qui se donne aussi comme forme celle de la perte de contrôle. Nous sommes dans une situation de perte de contrôle, donc il faut accroître les dispositifs de sécurité, la technologie pour essayer de contrôler les flux et les menaces qui nous entourent. Alors, un des auteurs que l'on peut reprendre dans cette catégorisation, bien sûr, ça a été aussi toute la discussion sur The Clash of Civilization de Huntington, qui allait dans ce sens-là. C'est une des grandes menaces que l'on a d'une certaine manière. C'est les mobilités de population, c'est la question de la diversité qui constitue aujourd'hui une menace pour la cohésion de l'identité des États. Alors, je voudrais venir à présent à une autre conception que je vous propose, qui est celle de Border Network, qui n'est pas très éloignée de toute façon de ce que le groupe à la base de ce colloque propose, en ayant un ensemble quand même de caractéristiques que je voudrais énoncer brièvement, mais en m'y arrêtant chaque fois. Un, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus un dedans et un dehors. C'est difficile de dire, on l'a dit aussi ce matin, mais il n'y a pas de dedans et de dehors. On est en même temps dedans et dehors. Et donc, cette distinction-là ne permet plus d'être à la base de la définition de la frontière. Deux, la frontière n'est pas une ligne, on l'a dit, même si on peut, encore une fois, avoir un discours qui essaye de chaque fois reconstituer cette idée-là. Et deux, on est dans une logique de porosité qui fait que fondamentalement, la frontière, c'est un espace d'échange. Les travaux de Newman là-dessus sont vraiment très importants sur The Borderlands. C'est un espace de communication et d'échange. Alors, je vais vous proposer une définition qui, comme toute définition, est soumise à critique d'une certaine manière, et surtout à amélioration. C'est la frontière réseau, c'est un
réseau d'espace-temps entre des humains et des non-humains, et dont un des objectifs est la production de pratiques qui mettent en œuvre la souveraineté nationale. Alors, je vais revenir sur certains points. Ce sont des espaces-temps. Alors, déjà, sur les espaces-temps, on l'a dit ce matin, il faut oublier que c'est l'intérieur et l'extérieur. Bien sûr, ce sont des espaces-temps. Par exemple, ça peut être le contraire à une frontière telle que l'aéroport. Ça peut être un contrôle au consulat. Ça peut être un contrôle quand on fait le checking pour prendre un avion. Mais ça peut être aussi un contrôle qui va avoir lieu, par exemple, à Marseille, quai des Belges, parce qu'on va demander une carte d'identité à quelqu'un. Donc, ce qui est important de voir, c'est que c'est l'interaction qui va activer la frontière. D'accord ? C'est pas un moment particulier, c'est l'interaction qui active la frontière et qui met en œuvre, quelque part, la pratique de la souveraineté nationale. Deux, c'est important d'avoir en tête qu'il y a des humains et qu'il y a des non-humains. Dans les humains, bien sûr, il y a l'ensemble des agents de frontières, les gardes frontières, les agents consulaires, mais il y a aussi les voyageurs, mais il y a aussi les avocats qui vont agir à certains moments, il y a aussi les ONG qui vont agir à certains moments. Et il y a les non-humains, dont on a abondamment parlé jusqu'à présent, qui sont à la fois, bien sûr, les databases, donc c'est tout ce qui est la technologie, mais c'est aussi les lois, les procédures, notamment. Et bien sûr, cette définition renvoie à celle de l'acteur réseau de Latour. L'idée, encore une fois ici, c'est de montrer aussi le poids important que va avoir les technologies dont on a parlé jusqu'à présent, qui sont aussi importantes d'une certaine manière que l'activité humaine. Alors, ce qui est important, c'est donc de voir que la frontière, c'est une propagation de points qui sont reliés, mais encore une fois, qui ne sont reliés que à partir du moment où il y a interaction entre les acteurs. J'ai oublié de dire, quand on parle d'espace-temps, il ne faut pas oublier que cet espace-temps peut être aussi décalé, c'est-à-dire que le moment où on est dans un temps n'est pas celui de l'espace du contrôle, et inversement. Et là aussi, il y a une déconnexion tout à fait possible entre le temps et l'espace. Dans cette conception, bien sûr, l'État continue à jouer un rôle central, mais ce qui est important, et c'est là le grand changement, je pense, par rapport aux études antérieures, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut plus parler en termes de territoire, on l'a dit plus d'une fois, mais ce qui est au cœur de la conception, c'est la mobilité. La mobilité des personnes, la mobilité des connaissances et la mobilité des biens. Et que ce qui est peut-être primordial dans tout ça, l'idée, c'est pas de contrôler tout le monde, mais l'idée, c'est d'assurer le maximum de circulation des biens, des connaissances, des personnes un peu moins. Et l'objectif, c'est bien d'assurer d'abord la plus grande circulation de la majorité des personnes et dans un deuxième temps de filtrer ceux qui sont considérés comme étant les indésirables. Mais le premier point, c'est d'accélérer la circulation. D'une certaine manière, c'est l'idée d'accélérer les voyageurs légitimes, qu'on a déjà présenté, Gabriel a présenté tout à l'heure d'une certaine manière, et de contrôler, de bloquer les indésirables qui, en particulier, s'agissant de l'immigration, essayent de contourner les lois relatives à la migration. Mais ce qui est important de voir en tête, c'est que tout le monde, alors pour le coup, je ferai une distinction de concept, tout le monde est sous surveillance, mais certains seulement sont contrôlés. En prenant dans le sens fort de contrôle, l'exercice d'un pouvoir qui suppose qu'il y a une asymétrie entre celui qui est contrôlé et celui qui contrôle, tandis que tout le monde est sous surveillance. Alors comment voir cela dans la politique d'immigration ? Ben, je voudrais revenir sur un point pour me dissocier un peu, c'est une question que je n'ai pas pu poser ce matin, en disant que ce qui est important d'avoir en tête, c'est... On ne fait pas du contrôle pour du contrôle. On fait du contrôle, parce que c'était un peu le discours que je voulais poser ce matin par rapport aux initiateurs du projet, c'est que c'était comme si le contrôle était partout. Mais pourquoi est-ce qu'il y a du contrôle ? On fait du contrôle pour faire de la gestion prévisionnelle des risques. Mais il faut savoir qu'on ne contrôle pas tout. Il y a des risques légitimes, qui sont d'ailleurs considérés comme étant des menaces, l'immigration irrégulière, le crime, l'islamisme, le terrorisme. Et puis il y a des risques qui ne sont pas considérés comme étant légitimes. Les paradis fiscaux, la délinquance financière, par exemple. D'accord ? Donc, je pense qu'il est important d'avoir en tête l'idée que le contrôle sert à gérer ou faire même du management de risque. Dans le cas qui nous occupe dans l'exposé que je soutiens ici, c'est le risque migratoire. Ce risque migratoire est décidé par rapport à un ensemble de profils et ce que je vous propose de faire en 5 minutes, c'est vous présenter
en relation d'ailleurs avec ce qu'on appelle la New Penology, comment est-ce qu'on est passé d'une conception où on centrait l'activité sur les individus vers ce qu'on appelle des populations à risque. Donc là aussi, je me dissocierai par rapport à une intervention de ce matin qui parlait surtout des individus. Je pense qu'il faut parler d'individus à l'intérieur de populations à risque et pas oublier l'idée qu'il y a aussi des collectifs qui sont davantage visés que d'autres. Pour faire cela, il y a quatre éléments pour constituer ce qu'on pourrait appeler un dispositif de sécurité. Premier élément, comme je le disais, c'est composer des groupes à risque. Qui sont les groupes à risque ? Par exemple, c'est l'ensemble des personnes que l'on considère qu'ils vont constituer un risque d'immigration irrégulière. C'est toutes les populations qui sont soumises à l'obligation d'un visa, par exemple. D'accord ? Visa Schengen pour parler de l'Europe. Deux, c'est aussi, par exemple, tous ceux qui ont droit ou pas à demander l'asile. On sait bien qu'il y a ce qu'on appelle des pays sûrs. Dans certains pays européens, on considère qu'être irakien, c'est être un pays sûr, et donc on ne peut pas demander l'asile quand on vient de l'Irak. Bon, d'une certaine manière, c'est si on est irakien et qu'on demande l'asile, c'est faux, parce que le pays est un pays sûr. Donc, voilà. Encore une fois, c'est un groupe à risque, et l'individu, lui, devient à ce moment-là contrôlé, et non pas uniquement surveillé. Et il y a bien sûr toutes les questions aujourd'hui, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, sur la réunification familiale. Je vais aborder surtout le deuxième point parce qu'il est plus proche du thème qui nous occupe sur cette session-ci, c'est la question des technologies de la surveillance. Il y a la mise en œuvre fondamentale d'ailleurs de ce qu'on appelle le remote control, le contrôle à distance, qui est vieux mais qui est vraiment fondamental aujourd'hui et qui est à la base de ce qu'on appelle le développement des smart borders, donc des frontières intelligentes, et qui s'articule autour de trois points. Premièrement, accumulation d'informations et de données sur les individus à l'intérieur de databases. Alors je voudrais là aussi faire juste une parenthèse, c'est tout à fait dans le sens de ce que Gabriel disait tout à l'heure, c'est il y a aussi des dispositifs, je dirais, où on accepte d'être surveillé. C'est le système Paraf, pour ceux qui le connaissent, voire peut-être l'utilisent dans la salle, qui est quand on est à Paris, pour aller plus vite, eh bien, on s'enregistre, on donne ses empreintes digitales, et on a un fast track qui nous permet de finalement passer plus vite. Il y a le même système à l'aéroport d'Amsterdam, c'est Premium, qui lui fonctionne non pas sur les empreintes digitales, mais sur l'iris, donc sur l'iris, et qui conduit encore une fois à accélérer la circulation de certains, alors que d'autres, des databases, sont utilisées comme le système information Schengen, le Visa Information Schengen ou Eurodac pour bloquer les personnes. D'accord ? Donc un ensemble de données qui essayent de bloquer. Deux, déplacement du contrôle avant que les personnes ne partent. Bon, ça, c'est l'exemple typique qui est celui de l'attribution des visas. Donc, c'est donné à la frontière, ce n'est pas avant qu'on arrive à la frontière. Mais il est important d'avoir chaque fois en tête que je ne pense pas que le corps soit nécessairement que le password, d'une certaine manière. Il y a toujours le corps et le database. Et ce qui est important, c'est que les databases ne circulent pas nécessairement avec le corps et qu'il y a des moments où les deux sont séparés et où on est contrôlé, indépendamment d'ailleurs d'une fouille personnelle ou d'un contrôle par rapport au corps. Autre dispositif qui est vraiment très important, en particulier autour de la Méditerranée, c'est de contrôler, on l'a eu juste avant moi, cette présentation, je voudrais juste citer quand même quatre systèmes qui sont hyper connus, qui sont très financés d'ailleurs par la Commission européenne dans des formes d'action conjointe entre scientifiques aujourd'hui de plus en plus et d'industriels. C'est le système CIV qui a conduit d'une certaine manière à arrêter complètement le mouvement des pateras en Espagne et qui a été cofinancé à la fin par l'Union européenne. Le système Eurosur qui est le même système qui est aussi celui de surveillance maritime. Le nouveau qui est en train d'être testé, qui est le système AMAS et qui va fonctionner aussi sous forme avec des capteurs hydrophones, etc., afin de voir s'il y a des activités maritimes. Et tout ça sert, encore une fois, à construire une sorte de ligne imaginaire continue d'action pour Frontex. Troisième dispositif, c'est celui de les actions dans les pays de départ. C'est ce qu'on appelle, enfin ce que Rose et Miller appellent « government at distance », c'est l'idée que les gouvernements, par exemple européens, ne vont pas agir uniquement à la frontière ou de manière les postes avancés dans les différents pays, mais vont collaborer avec les pays d'où proviennent des potentiels migrants, notamment en ayant des accords de coopération avec la police, notamment en essayant de signer des accords de réadmission pour conduire à ce que les migrants irréguliers soient acceptés dans les pays dont viennent les différents migrants, mais aussi, surtout, en augmentant la capacité de surveillance des flux migratoires dans ces pays qui deviennent des sortes de zones tampons. Ainsi, par exemple, c'est aider les Marocains à essayer de contrôler les flux de subsahariens dans
au Maroc lui-même, avec des activités de support que l'Union européenne va faire avec la police marocaine, par exemple. Dernier point, et on aura l'occasion d'en parler au cours de ce colloque, c'est les derniers points, je dirais, de ces quatre éléments constitutifs de ce qu'on pourrait appeler la nouvelle pénologie, mais appliquée à la migration, c'est celui de la détention et de l'expulsion, qui constitue d'une certaine manière l'ultimo ratio. C'est-à-dire que si on n'a pas compris qu'il fallait prévenir, ben à ce moment-là, on va intervenir dans une forme de justice traditionnelle, qui est celui de la punition avec la détention. Pour terminer, je voudrais donner donc quelques mots par rapport à aux aéroports, à partir de ce que je viens de vous énoncer, et peut-être en énonçant un élément important, par exemple en reprenant la métaphore foucauldienne qu'avait pris Marc Salter par rapport aux aéroports, en disant que c'est le confessionnal, et en disant que ce n'est pas tout à fait ça, parce que l'aéroport, on a vu une image tout à l'heure que Gabriel nous a présentée, mais je vais vous parler aussi de ce qu'on ne voit pas. Parce qu'à l'aéroport, il y a trois niveaux d'intervention et de contrôle. Il y a ce qu'on appelle le first line check, c'est la photo qu'on a vue. Il y a le second line check, et puis il y a le centre de détention. Je voudrais simplement énoncer ces trois-là et vous dire ce qui s'y passe, en vous énonçant un peu la théorie de la frontière réseau telle que je vous ai énoncée. La first line check, c'est celle que nous vivons tous. On montre le passeport, on regarde si c'est en Europe, et on passe très vite. Si c'est à l'extérieur, on a peut-être parfois d'un visa, pas d'un visa. L'idée ici, c'est celui de la... En français, il n'y a pas tous les termes qu'il y aurait en anglais. C'est celui de la vérification. Ce n'est pas du contrôle. Je crois qu'on vérifie, on fait du monitoring. Ce n'est pas un contrôle approfondi d'une certaine manière. Par contre, à ce first line check, s'il y a des personnes, par exemple en Europe, qui viennent d'un pays non européen, on va leur demander, est-ce qu'ils ont un visa ? Mais on va aussi leur demander de prouver s'ils ont l'ensemble des conditions nécessaires à l'obtention du visa qu'ils ont demandé, notamment par exemple le visa Schengen. Par exemple, on va leur demander au first line check, est-ce qu'ils ont une assurance ? Est-ce qu'ils ont un hébergement ? Est-ce qu'ils ont payé l'hébergement ? On va leur demander est-ce qu'ils ont, par exemple en France, les 67 euros qu'ils doivent avoir de manière journalière pour pouvoir vivre. Voilà. Et donc on va faire ce type de contrôle-là. Le fait, c'est que souvent, ce n'est pas possible de faire tous ces contrôles à la first line check, alors on le passe en deuxième line check. C'est ce qu'on ne voit pas. Ce sont généralement des pièces qui sont à côté de la grande salle qu'on a vue, et on va vérifier tout cela. Et là, je voudrais m'arrêter deux secondes, parce que dans ces lieux-là, on peut se demander la question de savoir est-ce que l'activité humaine de contrôle est suspendue au profit d'une utilisation unique de la technologie ? On pourrait faire l'hypothèse que ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, on pourrait considérer qu'à ce moment-là, il y a presque suspension de la technologie, c'est-à-dire qu'on a regardé si la personne est dans le système 6, s'il est dans le système VIS, par exemple, mais les gardes-frontières, vont en faire des entretiens avec la personne qui est soupçonnée de rentrer illégalement sur le territoire, voire essayer de vérifier, par exemple, le bien fondé des documents qu'il a. Téléphoner à l'hôtel pour bien vérifier qu'ils ont fait une réservation, téléphoner s'ils font véritablement une conférence dans le pays où ils vont aller, etc. Donc on essaye à ce moment-là de faire du contrôle. On exerce le pouvoir de l'État dans une relation asymétrique qui conduit d'une certaine manière à placer la personne sous contrôle. Troisième étape, si cette personne, quelque part, passe de soupçon d'immigration irrégulière à on a presque la conviction qu'il l'est, elles sont reconduites dans les centres de détention, donc les centres d'enfermement proches des aéroports où ils sont placés. Juste encore une minute, Pierre, et je termine. Ce qui nous pousse à poser ici une question de comment tout cela s'organise. Et je pense qu'on pourrait faire une distinction entre deux modes de gouvernance. Une gouvernance qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs « network governance », qui est de dire tous les acteurs dans la chaîne font confiance aux décisions qui ont été prises antérieurement. On a confiance dans les empreintes digitales. Elles sont sûres, on s'est identifié. On a confiance dans la manière dont le visa a été délivré. On a confiance... Versus un autre type de gouvernance qui est lié quand même au mode d'organisation, en particulier des gardes-frontières, qui est plutôt dans une logique très traditionnelle, bureaucratique. C'est-à-dire que même dans une logique de frontières réseau, chaque administration décide de sa propre mode de fonctionnement et de sa propre manière de décider et d'interpréter les textes. On sait bien que les textes, en particulier par exemple le Schengen Border Code ou le Visa Code, laissent suffisamment d'espace que pour que les agents ou les organisations finalement essayent d'interpréter. Je vous donne un exemple.
Dans le Visa Code, on dit qu'il faut avoir 67 € pour la France pour pouvoir rentrer sur le territoire. Mais on dit aussi qu'on peut avoir des cartes de crédit. Mais il est possible, par exemple, qu'on va exiger d'avoir le cash et non pas d'avoir la carte de crédit. Et rien n'interdit, par exemple, les gardes-frontières de demander cela, parce que c'est lié au pouvoir discrétionnaire qui leur sont habilités. Dans ce cas-ci, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a quand même un rôle excessivement important qui reste malgré tout à l'activité humaine de contrôle et des décisions des organisations dans un sens de contrôle et de blocage d'une certaine manière d'un certain nombre de la population. Donc ces éléments sont importants à avoir en tête pour voir quand même la distinction, et je termine sur un cas. On parle souvent des détentions, mais il ne faut pas oublier aussi un autre cas. Donc j'ai énoncé, il y a trois niveaux. Je disais, il y a le first line check, second line check et detention center. Mais il faut savoir que dans certains pays, on n'arrive pas dans le detention center. On est remis automatiquement dans l'avion et on est rapatrié. Donc il y a des pays qui disent, mais nous, on n'a personne dans nos centres de détention. C'est tout à fait vrai, mais en général, ils les ont rapatriés plus vite qu'ils ne les ont enfermés.